Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sherlock Holmes. Donc ça fait 3 mois qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode. Ah oui, je me souviens, on avait passé le temple Maya, plein d'énigmes, enfin un temple Maya quoi. Et donc on cherchait... Ah mais ça on l'avait déjà passé en fait. Non. Il me semble que si. Je suis pas sûre à 100% de ce que je dis. Mais il me semble que on l'avait passé... Ah non, je sais pas si on était passé par là en fait. Donc, je disais, je me souviens très bien de ce passage, mais je me souviens pas de ces fresques. Ah bah non, en fait, ça avait très bien sauvegardé. Donc pour moi... Alors, on va éviter de... marcher sur les... Oh. Bon, voilà. Ah, j'avais oublié à quel point j'étais handicapée sociale quand je m'y mettais. Alors, on va y aller doucement. Non mais il se décale avec le moins de délicatesse au monde aussi. Et au bout d'un moment, c'est pas ma faute. Je suis désolée, mais je n'ai aucune patience et c'est en train de m'énerver. Voilà. Donc, prout. Ok. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est très charmant comme lieu. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup y aller, mais vu ma trouille inconsidérable de tout, je pense que je serais incapable de faire ce qu'il fait. Et je ne me rappelle qu'en fait, c'est une projection mentale aussi. Donc, c'est un peu bizarre. Le trésor de Tekunuman. Ok, donc maintenant qu'est-ce que je dois faire? Oui. Le calendrier, il était ici. Zacharias, Sir Charles et Marley étaient donc au courant depuis le début. Ouais, donc en fait ils sont tous rentrés et ils ont tous mitonné. Concrètement. C'est la statuette que Bernard Marley, Sir Charles et Zacharias se sont partagés. Ouais. Pourquoi ils ont menti? Pas de serrure, ni de poignée. Qu'est-ce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont vu, au juste? Oui, il doit y en avoir un, mais... Ah, attendez. Il y a pas genre avec un point? Si. C'est tellement rassurant avec les petites piques, là. Le 2, je l'ai vu. C'est pas ça, je vois pas ce que c'est. Après, tout c'est comprendre un peu comme les chiffres romains. Qui est qui? Enfin, tous les coups, c'est pas aussi simple que genre un point et une barre, c'est. C'est 5. Je pense, je suis sûre, c'est pas ça. 4. On va essayer, on verra bien. Hein. Oh bah si. Donc 5. Bah du coup, je pense que c'était 6. Et bah, c'était long pour ouvrir la porte, hein. Dis donc. Fallait pas être pressé. Et normalement le dernier. Enfin j'espère parce que... Hein. Oh, des fantômes. Oh, ça me détruit l'oreille ce bruit, c'est immonde. Celui qui... Je suis perdue. Celui qui avait le bras pris dans le... Je sais pas comment on appelle ça. Enfin, dans le piège, là, dans le nombre. C'est celui qui... Où c'est qu'il manque un œil, non? Je me sens perdue. Bon, bah, je pense que maintenant on doit faire notre petit cheminement. Parce que je sais plus trop ce qu'il nous reste à faire. Enquêter sur le meurtre de Zacharias Greystock.
Mais pour ça, je pense qu'il va falloir aller sur le palais mental. Voilà, nous y voici. Donc, ça c'est le plus dur à retrouver une fois que on a été... Enfin, que je n'ai pas joué depuis longtemps. Ah oui, voilà, Albeit. C'est bien lui. Donc là, on est censé tout avoir. Donc, Albeit reproche son triste sort aux membres de l'expédition et veut se venger ou apaiser. Pour avoir été puni, il ne cherche à se venger de personne. Sauf que je ne me souviens pas des trucs. Alors, comment reprendre? Statue en fuite. Bon, ça, je pense que c'était plutôt sûr. Ensuite, on avait l'automate. Alors, soit c'est un automate, soit c'est pas un automate. Moi, je pense que la question ne se pose pas. Mais pourquoi Albeit aurait été touché lui aussi, en fait? Alors, Albeit ment. Non, c'est ça aimant, ok, c'est sûr. Et si je fais ça, donc en fait... Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit... que... c'est lui? Parce que quand même, il est bizarre lui, hein. Franchement, il est presque plus bizarre qu'Albeit. Parce que, à la limite, Albeit, il pourrait avoir des problèmes mentaux. Suite à ce qu'il a subi. Ça s'expliquerait. Mais lui, il est juste chelou. Après, est-ce qu'on condamne ou est-ce qu'on l'envoie au sénateur? Bon, perso, je suis pas pour tuer les gens, donc voilà. Mais bon, est-ce qu'on sait ce qui est, que c'est lui? De toute façon, j'ai envie de dire... voilà. On verra bien, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on y va pas? Bon, on y va. Confirmé, je suis pas sûre de moi, on peut dire oui. Écoutez. Que s'est-il passé? Quelqu'un d'autre est mort? Tekunuman a encore frappé? Tekunuman a été vengé, monsieur Marley. C'est terminé. Vous ne craignez plus rien. Vous n'avez qu'à nous suivre. Vous suivre? Pourquoi? Vous n'êtes pas responsable de vos actes. Des spécialistes vont s'occuper de vous. Ils vous aideront. Non? Je ne suis pas fou, non? Et c'est vous, le fou! J'ai un espèce de gros doute, là. Donc, en fait, j'ai eu la bonne réponse. Mais il est écrit que 5% des joueurs ont fait la même... le même choix. On va classer l'affaire. Bon, du coup, sinon, avant de commencer une nouvelle enquête, j'ai bien vérifié. Et encore une fois, ben, je me suis trompée de fin. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. En fait, c'était bien Albeit. Donc voilà, je suis désolée à la personne que j'ai enfermée pour rien. Mais voilà. Voilà, je suis une très nulle détective. Ça, c'est un fait. Voilà, on peut passer à la suivante. Chez Miss Alice. Quoi? Vous avez oublié Orson Wilde, le grand acteur de théâtre américain. Il nous rend visite. Il va dormir ici. Vous avez oublié? Non, 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 pas ça. Le fait que tu veuilles t'installer chez Miss Alice. Oui, c'est elle qui me l'a proposé puisque je laisse ma chambre. Elle a dit que vous seriez sûrement d'accord. Pourquoi tu... Non, mais déjà, je vais pas accepter. Mais Miss Kathleen et Miss Alice s'entendent si bien. Pourquoi elle est là? T'es pas chiante. Oui, vous oui, beaucoup, quoi, oui. Madame Hudson, Monsieur Wilde vient pour étudier le personnage de mon père pour sa prochaine pièce. Je pense qu'il ne sera pas déçu. Papa avec sa tête de mule. Faut que j'arrête de faire le mauvais choix. Hein. Incroyable, oh là là. Incroyable. Le grand Sherlock Holmes en personne. Je suis sûr que nos cerveaux feront... J'irai la chocolaterie. Oh. Bon, alors c'est parti pour le truc où je suis aussi nulle aussi. Voilà. Donc. Comment on fait déjà? Ah bon? Oui, c'est son nom, merci. Il semble logique qu'elle soit personnalisée.
Je pense que oui, il a un petit côté narcissique, le gars. Et du coup, je pense que ça... Voilà. Portrait imprécis, pardon. J'ai tout trouvé. Bah, pourquoi c'est imprécis? Monsieur Wilde, votre chambre. Charmante. Oh, quelle ville fascinante. Il faut qu'on parle. Non, merci. Vous allez encore vous mettre en colère. Au revoir, Monsieur Wilde. Ah, la gamine. Si on te dit qu'on veut te parler, c'est qu'on veut te parler. Il est déjà 5 heures. Je vais demander à Madame Hudson de préparer le thé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Apprendre davantage sur oui, ok. Par rapport au livre ou... Mes archives. Je peux toujours les consulter si nécessaire. Ah, il y a une nouvelle lettre. Finalement. Du coup, ça veut dire que c'est bon. Je devrais profiter de l'absence de Wilde pour fouiller dans ses affaires. Ah ok, ça se fait pas, hein. Mais c'est pas grave. Après tout, t'es un détective. Oh, le mec, il a déjà foutu le bordel ou c'est bon? Wilde s'est installé comme chez lui. En effet. Wilde a un kit de déguisement parfait. Les acteurs ont vraiment besoin de tout ceci. Ah bah il est pas très propre hein, son pinceau. Non, mais j'ai pas vu ce qu'il disait. Non. Voilà. J'utilise les mêmes pinceaux à maquillage. Ok. Mais vous allez bien vous entendre en fait, hein. Des cheveux là. Du phare. Mais non, mais c'est pas ça que je veux, c'est les cheveux à côté. Parce que t'as essayé de m'embêter. Oh. De la poudre d'excellente qualité. Ouais, mais ça se sniffe pas. On sait que t'es légèrement drogué, mais bon. J'ai oublié mon chapeau. Papa? Je vérifie que... Vous avez quelque chose sur le visage. Du maquillage? C'est possible. Je peux faire mes déguisements. Tu me connais? Le gars qui s'y prend trop mal. Non, n'y touchez pas. Et ben au moins, ils fouillent tous les deux dans les affaires les uns des autres. C'est équitable. C'est parfait. Voilà, que voulez-vous dire de plus? C'est Madame Hudson avec notre thé. Non, faux. Nous avons de la visite. Une femme en proie au doute et à la colère. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Mary Sutherland. J'ai besoin de votre aide, Monsieur Holmes. Je donnerai tout pour savoir ce qui est arrivé à Monsieur Osmer Angel. Qui a-t-il, Miss Sutherland? Monsieur Holmes, Osmer Angel a disparu. Osmer. Et mon père, Monsieur Windybank, ne lève pas le petit doigt. Ça me révolte. Monsieur Windybank est sans doute votre beau-père, vu la différence de nom. Effectivement. Je l'appelle père alors qu'il est à peine plus âgé que moi. Votre mère est-elle en vie? Oh oui, j'avoue que je n'étais pas enchantée de la voir se remarier si vite après la mort de mon père, et avec un homme si jeune. Ok, bon alors on va d'abord faire son portrait. Donc déjà il y a des marques. On va dire riche, je pense pas qu'elle soit vaniteuse, enfin en tout cas comme ça elle a pas l'air. Mais bon, vu que je suis extrêmement nulle... Elle parle d'un gars qui a disparu, alors bon. En tout cas, elle est plutôt belle. On s'en fout, mais c'est pas grave. Oh, j'ai réussi, j'ai fait un portrait complet. Oh mon dieu, je suis si heureuse. Donc, parlons de ces personnes. De quelle nature sont vos rapports avec Monsieur Osmer Angel? Je l'ai rencontré au bal des gaziers. Je me souviens, Monsieur Windybank ne voulait pas que ma mère et moi y allions. Il ne nous laisse jamais sortir. Mais cette fois, j'étais déterminée. Par chance, il a dû partir en France pour ses affaires. Alors il n'a pas eu son mot à dire. J'ai rencontré Monsieur Angel ce soir-là.
Nous nous sommes revus ensuite, pour des promenades. Mais père est revenu. Et nos rendez-vous ont pris fin. Qu'est-ce qu'on va faire de ses revenus, quoi ? Interdit-il de sortir ? Il trouve cela inconvenant. Il nous fait des reproches. Il dit que la place d'une femme est à la maison auprès de sa famille. Disposez-vous d'une source de revenus ? Oui. Il y a quelque temps, j'ai hérité de mon oncle Ned d'Auckland. Ainsi, vous ne manquez de rien, naturellement. Eh bien, je vis chez mes parents, mais je ne veux pas être un fardeau. Alors, ils disposent de mon argent. Clairement. Monsieur Osmer Angel n'a pas cherché à vous revoir ? Père devait à nouveau s'absenter la semaine d'après. Osmer m'a écrit pour me dire qu'il valait mieux attendre qu'il soit parti pour nous revoir. Après ça, il a cessé de m'écrire. Vous êtes-vous fiancé ? Oh oui, monsieur Holmes. Ok. Notre premier rendez-vous. Bah, tout est normal. Voyons, tout le monde fait ça. Je ne sais pas. J'adresse mes lettres au bureau de poste de Leadenhall Street. Poste restante. Que pouvez-vous me dire d'autre au sujet de monsieur Angel ? C'est un homme très timide. Nous nous promenions toujours à la nuit tombée. Il doit être très timide ou qu'il y a quelque chose à cacher. Parce que c'est tous que les hommes, c'est tous des malfrats. La chronique de samedi. Je rigole. Voici un exemplaire et une lettre qu'il m'a écrite. Ah, une lettre d'amour. Oh, lui, il me supporte. Oui. J'ai envie de le frapper. Je m'en doutais, mademoiselle. Voilà qui confirme pleinement mes déductions. Quelles déductions, monsieur... Monsieur Wilde. Holmes, dites-lui. Alors, je veux lire les lettres. Avis au public, disparition, gentleman du nom d'Osmer, Angel a mystérieusement disparu, mesure environ 1m70 et de forte carrure avec et de teint olivâtre. Je suis pas sûre que ce soit très gentil. Il a les cheveux noirs, des pets favoris et une moustache. Des lunettes. Et non, la lettre. Donc, mon cher amour de c'est un excellent moment ensemble, n'est-ce pas, quand votre père était en France, ou en si bref, mais qui m'a suivi pour comprendre que vous êtes ma vie. C'est tellement mignon. Je vous ai envie de passer chaque minute à vos côtés, si seulement une telle chose était possible. Je vous aime tant. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je fasse ? Nous avons passé un excellent moment ensemble, n'est-ce pas, quand votre père était en France. Observer les détails. Ok. Un papier de bonne qualité, assez lisse. Une encre classique, rien de particulier. Osmer Angel n'a pas laissé sa signature. J'attends le prochain départ de votre beau-père. Miss Sutherland n'a fait la connaissance de Osmer Angel que pendant l'absence du beau-père. Étudions cette lettre de plus près. Certaines lettres ont des défauts typographiques. Miss Sutherland, auriez-vous d'autres lettres de Monsieur Angel ? Je suis trop con. Mais j'ai apporté la lettre de mon père envoyée de Paris. La voici. La lettre du beau-père aussi est tapée à la machine. Cher Marie, je profite de l'occasion pour vous envoyer ces quelques lignes avec l'espoir que vous trouveront votre mère et vous en bonne santé. La France est un pays agréable, merci, on sait. À regarder, oui, à regarder juste. Hein. Mais ici, comme partout, des misérables trompent et maltraitent leurs femmes. Mais elle n'a pas besoin de savoir ça, elle s'en fout. J'espère que vous serez obéissante et que vous veillerez sur votre mère. Surtout, suivez mon conseil, ne sortez pas. Blablabla, c'est trop drôle. Suivez mon conseil, ne sortez pas. Moi je dis déjà, il a l'air bizarre. Papier ordinaire, légèrement jaune. Une encre classique, rien de particulier. La signature du beau-père de Miss Sutherland. Le beau-père essaie de garder la fille chez lui. Étudions cette lettre de plus près. Certaines lettres ont des défauts typographiques. Les deux lettres ont des défauts typographiques. Ce qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Ok. Sur le cette M. Cette lettre a un défaut. Ah, dans les deux cas, on retrouve la même lettre avec le même défaut. Là, on a encore une lettre avec A. Un défaut. Ils sont où là ? Il n'y en a pas ? Là. Encore une lettre avec les mêmes défauts. Non mais c'est pas possible qu'elle reconnaisse pas son beau-père, hein. Vous m'excuserez, mais... Encore une lettre avec un... Encore une lettre avec les mêmes défauts. Bien. D'après les défauts spécifiques,
Nous pouvons affirmer que ces lettres ont été tapées sur la même machine à écrire. C'est un peu léger quand même. Bon, après, je suis nul, donc voilà. C'est triste. Que pourrais-je vous dire de plus ? On a déjà un petit B. Ah, il y en a plus qu'un. Ok, alors. C'est la machine à écrire ou. Pour l'instant, c'est pas. Donc. On laisse comme ça. Enfin, vous m'excuserez, c'est pas parce qu'elle a une mauvaise vue que... Merde. Redis. C'est pas parce qu'elle a une mauvaise vue qu'elle va pas reconnaître le même gars, quoi. J'ai mis quoi ? Mais oui, mais ils se sont vus quand... Oui, c'est bizarre. Quoi ? J'aurais essayé, ça va. Comportement étrange. Osmer Angel ne rencontrait Marie que lorsque son beau-père était parti en voyage ou timidité. Moi, j'irais plutôt comportement étrange, du coup. Ne pas sortir avec les revenus, je vois pas trop le rapport. Hein. Profit, la famille a intérêt à ce que Marie reste célibataire afin de conserver l'apport ou inquiétude. Oui, mais enfin, malgré tout, c'est bizarre qu'elle soit créée avec la même machine. Dire de plus. Vraiment que je continue en B ? Non, parce que je sais pas quoi dire. Cette affaire est d'une simplicité enfantine, n'est-ce pas, Holmes ? Le cas schizophrène ? Après tout, l'enquête s'appelle double jeu. Donc. Une seule machine à écrire. Bon, j'irai plutôt du profit vu la tournure que ça va prendre, mais on sait très bien que je fais toujours des choses cheloues. On va voir si je mets profit, qu'est-ce que ça me met. Ça met rien. Si je m'inquiète. Si je mets inquiétude. Ça met rien. Profit. Comportement étrange. Le beau-père de Marie a menti, il n'est pas parti en voyage d'affaires, qu'il avait découvert que Marie lui désobéissait, ou le beau-père de Marie est parti en voyage d'affaires, ce qui a donné l'occasion à ceci de rencontrer Osmer Angel en secret. Mais j'en fais, je sais pas moi, mais qu'est-ce que j'en sais? Bon, j'ai pas vu que tout ça a l'air très louche, je veux dire mon truc. Ah bah ça te débloque carrément, ok. Monsieur Machin et Monsieur Angel. Ok. Cacher la vérité ou dire la vérité. Bon alors je veux pas dire mais cacher la vérité, certes, bon. C'est un peu gentil parce que du coup elle saura pas. Mais quand même, c'est genre... Je sais pas si c'est son beau-père. Voilà. Moi, je veux qu'elle dise la vérité. Qu'elle dise la vérité. Oui. Cacapouda. Voilà. Vous devriez essayer d'oublier Monsieur Osmer Angel. Il ne fait plus partie de votre vie. Vous pensez que je ne le reverrai jamais ? J'en ai bien peur. Mais que lui est-il arrivé ? Votre beau-père a épousé votre mère pour son argent. Et il profite également de votre fortune. Mais avec vos atouts personnels, il était évident que vous ne resteriez pas longtemps célibataire. Même en vous cloîtrant à la maison. Il s'est déguisé et s'est fait passer pour Monsieur Osmer Angel. Il vous a demandé en mariage avant de disparaître mystérieusement. Tout ça afin que vous restiez sur cette impression d'inachevé et que vous ne puissiez pas tourner la page. Un tour vraiment cruel, Miss Sutherland. Oh, Monsieur Holmes. Non. Je suis trop triste pour elle. Oh, mais nous étions fiancés. C'est horrible de penser à ça. Oh, mais merci pour tout ce que vous avez fait, Monsieur Holmes. Ça va, elle prend plutôt bien. Vous auriez pu vous montrer plus diplomate. Bon, eh bien, de toute façon, on va s'arrêter sur cette nouvelle enquête qui démarre très bien, avec des troubles de personnalité, hein, et des gens dégueulasses.
Eh bien, j'espère que cette nouvelle vidéo pour mon petit retour vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Aussi pour me dire ce que vous aurez répondu donc à la fin de l'enquête d'avant. Voilà, parce que encore une fois, je me suis complètement trompée, hein, mais j'aimerais bien savoir votre avis, ça m'intéresse. Et je vous dis à très vite pour la suite des aventures de Sherlock Holmes.